Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode à nouveau. Je suis toujours là. Il est toujours là, l'autre taré des jeux de mots pourris. Ah, je sais pas si tu joues au dernier épisode, t'avais rien à dire. Vous avez raison, vous devriez, vous trouverez Borus à la pension de Lutherbro. En fait, t'étais à la cité impériale, t'avais raison. La cité impériale. Et après, si, tu es. Saluez Borus chaleureusement le matin. J'y suis de ne pas plus familiser pour la mort de l'empereur. Ta gueule ! Ça fait une frappe par une vie. Crève ! Enculé ! Je reviens de la cité impériale ! Tu vas voir ce que c'est. Tant pis. Il est fort. C'était une belle tentative, hein. Ouais, tentative de merde, ouais. Carte. C'est bon, je m'y retrouve. Ouais, on est parti. Ah, mais musique d'accompagnement. Non, je déconne. Alors, bah. Il pleut, c'est chiant. Wow. C'est pas cette porte. C'est ça. Attention, Luther King. Luther Broad. Alors, tiens, c'est pas c'est le type avec. C'est pas le bureau avec un sabre. Je m'en fous de toi. Asseyez-vous. Ne dites rien. Faites ce que je vous dis. Ah non, le corps n'y allait pas, s'il vous plaît. Écoutez, je vais me lever dans une minute et sortir d'ici. Le type qui se trouve dans le coin derrière moi va me suivre. Suivez-le. Bien, souvenez-vous. Attendez qu'il me suive. Je veux voir ce qu'il va faire. Qu'avez-vous à me raconter? Vous croyez ceux qui disent que d'autres portes de l'Union apparaissent de partout? Oui. Au revoir. Au revoir. Oh la vache. Il est où? Les élus survivront à la purée. Je n'ai pas peur. Imbécile. Bon travail. Je suis content de vous voir, en fait. Vous arrivez au mauvais moment. Oui, il est mort, lui. Qu'avez-vous appris? Les assassins qui ont tué l'empereur faisaient partie d'un culte d'Edric appelé l'Aube Mythique. Il semblerait qu'ils vénèrent le seigneur des draps, Merune Dagon. Je traque leurs agents dans la cité impériale. C'est un seigneur dragon, Mérunès Dragon? Ah oui. Qui est-il? Oh, le premier jour, la situation est pire. C'est le mec qui s'est tué en se taillant la faute trop, c'est la faute trop avec son rasoir. Oui, parce que la dague de Mérunès Dagon dans Skyrim. Nous le remettrons sur le trône. Ça avait la faculté de pouvoir tuer très occasionnellement en un seul coup un ennemi, n'importe lequel. Même les dragons, les ennemis surpuissants, les conneries comme ça, les machins moitié invincibles. Mais par contre, dans la traduction, ils ne l'appellent pas la dague de Mérunès Dagon, mais plutôt le rasoir de Mérunès Dagon. D'où est parti le délire entre moi et ce cher Flo. Que Mérunès Dagon n'est pas réellement mort, tué par je sais plus qui, je crois que c'est les lames qui l'ont tué, non? Il est mort tout seul. Ouais, c'est parce que je me disais. Il reste dans l'Oblivion, il est planqué dans son coin. Ouais, voilà, et du coup, on pense qu'en réalité, en fait, il n'est pas planqué, mais seulement mort parce qu'il s'est rasé une fois de trois avec son rasoir. Une connerie. Il y a une érudite à l'université Arcane. Elle s'appelle Tarmena. Elle est censée être experte dans le domaine des cultes d'Edric. Apportez-lui donc ce livre pour voir ce qu'elle en pense. Je vais suivre les pistes du réseau de l'Aube Mythique. Si vous apprenez quoi que ce soit, vous pourrez me trouver chez Luther Broad. Mistalos vous garde. Oh là là là, oh. Faut pas le chargeur, les gens. Hop.
Ok. J'espère que Tarmena vous apprendra quelque chose sur ce livre. Ça pourrait bien être... Je m'en fous de ce que tu dis. Mon ami. C'est l'objectif. Hop. Et comment se déplacer rapidement. En fait, c'est super pratique, hein, ce leur truc. Hein. Je fonce d'un endroit à un autre par téléportation, je me fais pas chier au moins. Tu crois que j'ai fait comment, moi? Waouh, mais regarde-moi ça, ces flammes. C'est bleu. Je suis le tout ici, toi, là. Waouh. T'es trop dark à côté des flammes violettes. Oh, l'œil. En fait, je regarde les détails au lieu de continuer à avancer. C'est énorme. Ça va, Zura. On ne peut plus être seul un moment. Sortez d'ici. Descends. Je pense que vous feriez mieux que partir. Salut. C'est un mec, la femme, c'est sur lui. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? J'ai la créature. Qu'est-ce que c'est que c'est... Des bouts de cristal. Non. Dragon Ball Z. Pourquoi puis-je vous aider? L'homme mythique. Vous en avez entendu parler? L'un des cultes d'Edric les plus secrets. On ne sait pas grand chose à leur sujet. Ils suivent les enseignements de Mankar Camoran, qu'il s'appelle le Maître. Personnage obscur s'il en est. Ah merde, j'ai pas suivi. Commentaire sur le Mysterium Xarxès. Merveilleux. Vous vous intéressez particulièrement au culte d'Edric, si je comprends bien. Je dois trouver vous les avez trouvés. J'arrête de m'en mêler, c'est promis. Mission officielle et tout. J'ai l'habitude de travailler avec les lames, ne vous inquiétez pas. N'en dites pas plus. En tout cas, il ne sera pas aisé de les trouver. Je fais pas chier. Les écrits de Mankar Camoran moi-même. Du moins, ce que j'ai pu trouver. En fait, j'en ai rien à foutre de ce qu'elle dit, du coup, j'emmerde mes chiens. Clairement que les commentaires de Mankar Camoran comportent 4 volumes, mais je n'ai jamais vu que les 2 premiers. Je pense que ces écrits contiennent des indices sur l'emplacement du sanctuaire secret de l'eau mythique qui mène à Mérune. Bon, l'autre, il en a pas marre. Ceux qui découvrent le passage secret se montre digne de rejoindre le culte de l'eau mythique. Le premier test consiste à trouver le sanctuaire. Ah, vous allez vous engueuler. Ah. Si vous trouvez ces indices, il vous faut les 4 volumes des commentaires. C'est vachement plus sympa les chants. Voici déjà le tome 2 qui figure dans la bibliothèque. Prenez-en soin, je vous en prie. Comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais vu le 3e ni le 4e. Essayez la librairie première édition. Mais bon, on va lire. Pintias, le propriétaire. Il est collectionneur. Comment on fait du minage? Rumeur. La guilde des mages fonctionne comme avant, mais elle a perdu pas mal de membres lorsque la nécromancie a été interdite. Lol. Il y en a beaucoup qui aiment bien la nécromancie à barre. Ah oui, un vocation. J'ai tout lire à peu près. Oh la vache! Regarde-moi ce truc! Oh la vache! J'ai dû faire littéralement escalader. Ah oui. Oh! Ah non, j'ai cru que j'avais une super. Ok. Eh ben, on est parti. Carte.
Voilà. Pourquoi le marché? Je comprends pas. Ah oui, il faut que je retrouve l'autre blaireau. Le marché noir. Le marché noir. Oh, le marché noir. Quel intérêt. Salut. Qui a-t-il, citoyen? Je sais pas, t'as... Ouais. C'est toi qui as un problème, non? T'as pas l'impression d'avoir un balai brosse sur la tronche. Non, je déconne. C'est dégueulasse de se foutre de la gueule des gens, des honnêtes citoyens. Salut, c'est toi que je dois parler. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Jolry. Je viens au nom de mon maître, Umbacano. Il m'a demandé de vous donner ce billet. Je pense que c'est une invitation à lui rendre visite dans son manoir de la cité impériale. Que me veut Umbacano? Mon maître est un collectionneur d'antiquités Aileïde. Il a appris que vous aviez récemment vendu un objet qui l'intéresse. Je pense que le billet vous donnera tous les renseignements dont vous aurez besoin. Fumeur. Mon maître, on vous indique que tous les mendiants travaillent pour le renard gris. Ça fait froid dans le dos. Oh, pauvre chou. Prenez soin de vous. C'est un livre. Vous l'aura sûrement dit. Cool. Les apostrophes, ça existe chez vous? Oh, la statue! Flo, la statue que j'ai vendue l'autre fois pour pas mal de pièces. Ouais. Bah en fait, bah, ça l'intéresse. En gros, comme j'ai vendu une putain de statuette à la con, bah maintenant il faut que j'aille voir l'autre... Y a-t-il le blaireau dans sa demeure. T'as rangé ? Y a-t-il, citoyen ? Ouais, je suis Spider-Man. T'as vu comment tu m'en dis? Oh, de la manie du mouche. C'est gratuit. Ça doit être ça, non? L'auberge marchande. Même pas. Quand vous voulez. Oui. Que puis-je vous offrir? J'ai vraiment plus rien à voir. Ah, la manie du mouche. Ah, tiens. Prends ma position. Vous êtes très dur en affaire. Ouais, je suis très dur. Putain, canon. Merci d'avoir fait affaire avec moi. Tout le bonheur, tout le plaisir pour moi. Au revoir. Attends. Je suis désolé mon vieux, mais... Voilà. Voilà, nom de Dieu. Un petit peu le bordel chez toi quand même. Au prix que tu m'estorques mes affaires. Que j'ai parfois dû en prendre aux acquises. Voilà. Tiens. Ah, bonjour. Ouais, bonjour, bonjour. Tu me diras bonjour quand j'aurai fini. Regardez les tables maintenant. Non mais. On a pris pour qui celui-là? On va me racheter des objets que je chope dans des donjons, dans des endroits machiavéliques parfois. Tout ça pour que dalle. Voilà. Tu auras un ménage à faire, mon pote, quand j'aurai fini. Et t'as de la chance que les bouteilles pètent pas dans ce jeu, parce que sinon... Tu sais que
en traînant comme ça sur les mods Skyrim, j'avais trouvé un mode où tu peux péter ou les verres, comme, enfin les trucs en verre comme les bouteilles et tout, ça pète quand ça tombe par terre. Tu l'as pris ? Non. J'ai pas eu le temps. Ça m'intéresse pas franchement non plus parce que si jamais je fais ça chez moi. Mais non, si t'as des compétences à. C'est déjà monté niveau. Non, j'ai pas monté. Presque. Ouais, du monde de compétences. Tu le veux ? Je le veux. Rien. Ouais, non, il veut pas. Bon débat. L'égalité, monsieur. Je n'ai rien à manger. Une pièce me suffit pour manger toute la journée. Merci, cher monsieur. Ça n'a rien. Merci. Les clochards, ils ont des bonnes infos. C'est un véritable conte de fées. La garde impériale prétend qu'un roi des voleurs portant le nom de Renard Gris contrôle tous les autres voleurs de Cyrodiil. Tout ça, c'est eux qui l'ont inventé, bien sûr, pour nous faire peur. Idavine Norman a quelque chose d'étrange. J'ai appris qu'elle avait escaladé la façade de la chapelle rien que pour pouvoir sauter du toit. Ben la conne. Mystara vous bénisse. Y a-t-il, citoyen ? Oui, bientôt, c'est toi qui poses des questions. Bonjour, Nordique. Ouais bah on s'est un petit peu chié hein, pour cet épisode hein, du coup parce que je parle pas beaucoup, je suis super concentré. Bah, moi j'ai aucune connerie. Ouais en plus lui il a gros de conneries. Comme ça on est dans la merde. Bah, faut dire aussi si t'avais pas mis le paquet aux premiers épisodes on serait pas dans la même Moïse. Bah là c'est pas dur, bah la destination demandée voilà. Ah faut attendre. Fais fermer. Tu vas détruire ton crochet pour rien. Ah, c'est celui-là, non? Non, mais peu importe, en fait, celui-là. M'en fous, je sais que ça fout. Faut jeter des portes. Oh! Oh! T'as fait quoi? C'était magnifique. Mais trois d'affilée, tac, tac, tac. Livre des draps. J'ai volé mes points. Voleur de vertu. Oh, dites donc, ce livre date depuis Oblivion. Le voleur de vertu. Ah, je prends, c'est mythique. Qui me ferait monter mes compétences. Si, si, la reine des loups. La reine des loups ? Non, même pas. Tu vois ? Parce que aussi, il existe. De quoi ? Carrément. Ah, ruine de Kemalzi. En même temps, les Dwemer doivent dater de beaucoup plus loin. Oh, histoire de crochetage. Histoire de crocheter, quoi. Bon, bah. Il n'y avait rien de bien utile, hein, c'était dur. Oh. Hé hey. Des boules. Hé hey.
C'est chaud quand même le crochetage dans ce jeu. Ouais. Ouais, je suis sûr qu'il y a un truc intéressant là-dedans. Enfoiré de deux. Ouais, des fois j'ai eu un difficile, moi il n'y avait rien à l'intérieur. Ouais, non, mais là c'est pas un difficile. C'est un très difficile. Non, c'est un difficile. Oh, ouais. Bon, mais tant pis, ça fait monter mes talents. Attends, plus de crochet. Pour ce que ça me sert. Oh! Devoir arrêter. Ouais. Ouais, mais par contre, pas encore. Bon, une dernière fois. On va regarder un crochet sous la main. Hé, je vais quitter. De l'or et une perle de laiton. Ouais, bah tu me disais le vol c'est pas bien dans ce jeu. Tu déconnes, t'es juste une merde en vol. Ça sert à rien de voler. Ah si, ça sert à augmenter tes talents. Il y a pas volé, mec. Je suis désolé, mais ça. Attends, je crois que oui, tu peux voler à la tire. Oui, tu peux voler à la tire. Et je suis désolé, mais même si ça augmente pas les talents, même s'il n'y a pas de vol à la, talent de vol à la tire, j'ai monté deux niveaux de sécurité. Si, il y a vol à la tire. Sécurité, regarde, j'ai monté deux niveaux. Oh, en plus, regarde, ça associe avec l'agilité, ce qui fait que, à mon avis, ça, plus c'est puissant, mieux c'est pour les agilités. Ah, discrétion en plus. Je suis moins facilement repéré. Hein. Ah, la bourse bien remplie. Dommage. J'ai tout pété. Par contre, ce serait sympa parce que. C'est sympa parce que là, ils sont sympas leurs objectifs, mais. Regarde, je suis ici. On va attendre. C'est la nuit. Non, tout à l'heure il était fermé aussi. Et il est dans en plein jour. La vache. Bon. Bah, ce qu'on va faire, c'est que malgré que cet épisode était très très peu palpitant, on va s'arrêter là. D'abord par là. Bah ouais, remarque. Je suis Phil Kilas. Si vous aimez. Mysterium. Puis-je vous montrer la qualité de mes marchandises? C'est un truc que je peux lui voler. T'sais. Les 20 commandements. Après les 10 commandements. Alors, tiens, voilà la brève histoire de l'Empire. C'est une bonne transaction. C'est une bonne transaction. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais vendu tous les marchandises. Ce que je suis en train de faire. C'est plus que ce. C'est plus que. C'est un prix équitable. Le vol de l'Ouest. C'est plus que ce que je fais d'habitude. C'est une bonne transaction. Du coup, j'ai un peu plus d'or. N'hésitez pas à parler de moi à vos connaissances. Non. Si vous aimez le luxe,
l'hôtel Cyberceptible est en vous. Mais sérieux. Vous devez parler des commentaires sur le mystérieux. Il se présente en 4 volumes. Les 2 premiers volumes sont rares, mais il se peut que vous les croisiez de temps en temps. Le 3e et le 4e sont impossibles à trouver. Ah ouais. Il se trouve que j'ai un exemple. Les mecs sont impossibles à trouver. J'ai besoin de 3 ou 4. J'ai peur qu'il s'agisse d'une commande spéciale, déjà réglée par un autre client. Désolé. Gina serait tellement déçu s'il n'était plus là lorsqu'il viendra le récupérer. Je regrette, je ne peux pas vous aider. J'aimerais en avoir un. Guinas, où es-tu? Guinas? Non, ça y est, il est revenu là. Toi? Bonjour. Qui es-tu? Je suis Gemellus Axius, le serviteur du comte Jack. Il ne m'a pas informé de votre visite. Ida Villeneuve a quelque chose d'étrange. J'ai appris que c'est un des seuls. Non, il ressemble à rien. Je te vois. Enfin, c'est une connerie. Bon, eh bien, on va clore cet épisode avant qu'il devienne vraiment déjà très emmerdant. Hein. Et puis, on continuera la quête au prochain épisode.